Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. C'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes.